qu'elle va être contente. Liane, soupe froide de concombre, lait de coco écœuri, saumon mi-fumé. Je pense, oui. Merlan en croûte de pain de mie, beurre noisette au capre. Pas mal. Ça s'appelle Oui, je l'adore, son dîner. Tu l'as connu comment, Liane? Oui, je l'adore, c'est... tu t'es trompé, c'était pour Pauline Esther. C'est vrai. Mais oui, je l'adore. Mais oui, je... mais oui. C'est une chanson de Pauline Esther. Mon Dieu. Déchirez-moi tous les menus. Oui, je l'adore. C'est vrai, c'est Oui, je l'adore. Comment je l'ai connue? Écoute, d'abord comme invitée, comme souvent dans ce métier, tu vois, elle est venue... En fait, elle a été la marraine chanteuse de Rien à cirer. C'est-à-dire que la première émission, elle venait chanter à l'époque, c'était Rêve Orange au fur et à mesure. C'était 87, 88, quoi. Oh non, c'était 91. Ah ouais. On n'est pas devenus amis comme ça, quoi. Il a fallu des années, elle est revenue, revenue, mais revenue. Sympa. Elle a débarqué un jour chez moi à la campagne comme ça. Et... Tu préfères Diane Tell ou Liane Folly? Ah oh, j'ai plusieurs chanteuses à mon actif, mais ou Marie Laforêt. Chacune pour des aspects très différents. Je dis toujours Diane Tell, je l'aime parce qu'elle me repose. Ouais. Diane, c'est une fille, tu vois, zen, reposante, parfaite dans l'ambiance de Biarritz quand t'as envie d'être un week-end, un peu peinard. Liane, c'est autre chose. Liane, elle t'emmène jusqu'au bout de la nuit, quoi, tu vois. Et voilà, ce que j'aime chez Liane, c'est ça, c'est l'inattendu. Et Marie Laforêt? Ben un peu pareil. Ouais. Tu vois, c'est... D'ailleurs, Diane Tell, c'est une exception dans les amis que j'ai, parce que c'est la seule qui soit vraiment aussi zen, aussi posante, aussi... toutes les autres, c'est des filles qui ont quelque chose de totalement atypique, de partir en vrille, de se lancer dans une soirée où on chante, ou à la limite, évidemment. Ou, voilà, comme Marie Laforêt, comme Christine Bravo, tu vois, c'est des filles. Et Christine, alors, elle est repartie au Mexique, là? Là, elle est au Mexique en ce moment. Ça marche son truc d'aller-retour là, ça... Écoute, en tout cas ça marche avec Paco, d'aller-retour manifestement. Elle se marie en mois de juin. Non. Ah, eux, je suis témoin. Tu vas là-bas? Témoin de mariage, non, elle se marie à Paris. T'as fait les Molières, t'as fait... Alors, la préparation des Molières, une émission avec les imitateurs. C'est quoi ça? C'était pour l'Ascension. Il y avait une quinzaine d'imitateurs présents, sauf Laurent Gérard, évidemment. Évidemment, puisque tu étais là. Ben voilà, il n'a pas voulu. Même pas prêté d'image. Mais autrement, c'était une super ambiance. Mais c'est terrible quand même cette histoire. Ça date de quand? Parce qu'il a commencé avec toi, Gérard. Ça date de la création. Il m'en veut pour plein de choses, mais je pense aussi, une des raisons essentielles, c'est que pendant 4 ou 5 ans, j'ai écrit ces textes à France Inter et Rien à cirer, et je pense que je lui ai fait dire des trucs de gauche, alors qu'il est vraiment très réac. Ouais. Donc, si tu veux... Ouais. Non, mais quoi? Mais c'est ça, je pense qu'il a envie d'effacer un pan de son histoire. Mais non, il a tellement bien réussi, il pourrait se permettre... Je suis d'accord avec toi, il y a des moments... Tu vois, justement, dans la vie, quand tu réussis, il faut se montrer généreux. Bonsoir. D'accord. Voilà. Bonsoir. Ça, moi, je me souviens, Edouard Baird, il est venu dans l'émission. Au quatrième étage. Je lui ai dit un truc terrible sur son père. Le mec m'en veut depuis des années pour avoir dit ça. Je ne veux pas savoir qu'il va venir ce soir. J'ai une surprise pour toi. Tu es d'accord pour que j'organise la réconciliation ce soir? Tout le monde a essayé le problème. Mais j'essaye ce soir. Moi, je lui tends la main. Enfin, tu vas voir. Ce soir, je te promets, tu serreras la main d'Edouard Baird. Ah bon? Bonsoir. Mademoiselle, messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Gilles. Monsieur, bonsoir. 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 Ça va? Ça va bien. Et toi? Salut, Gérard. Ça va bien? Très bien. Calispera. Tu veux mettre ça là? Oui, oui, je vais donner mes petites affaires. Charme. Oh là là. T'as des nichons, toi, non, mais je te jure. Un petit peu dessus. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ils sont bien. Ah bah. Moi, je suis venu sans. Tu es venu sans dessin. Oui. Et toi, Nico, c'est évidemment... On est venu les mains vides, dis donc. Ah, laisse tomber, on s'en fout. Bon, messieurs, mets le cœur plein. Dis-moi, il y a des gros nichons, moi. Ça commence. Oh, Laurent. Comment va? Excusez-nous, mais on parle des métiers avec... Ah bah, je m'en doute. Ouais, on parle des métiers. Casino de Paris, non? Ouais, là, ça y est, c'est fini, là. C'est fini, là. Ouais. Et toi, tu fais quand? C'est bien passé. Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Ça va, ma chérie? Ça va très bien. Et Augustin, il va comment? Oui, Augustin va super bien. Bon, je pense qu'on aura, on aura un petit appel, peut-être, va savoir. T'es très belle, dis donc. Ouais. Bah, je vous remercie. J'étais tellement contente de venir. C'est Augustin. D'accord. C'est Augustin qui me rend belle? Ouais. Entre autres, oui. Ouais. Il va être content.
J'ai un souvenir très fort de cet endroit, ouais. Parce que je suis venue un soir très tard après un lunette noire, nuit blanche très tard avec toi et avec Béatrice ici, et aussi une autre fois après, je crois, avec Laurent Boyer, on avait fait l'émission Graines de Star, ouais. Et voilà. J'avais un souvenir très précis de cette cuisine. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Moi, je suis un garçon extrêmement fidèle. Non, mais c'est vrai. Hein, à mes amis, à ma femme, à la couleur de ma cuisine. Ah ouais. J'aime bien les... Comment ça s'appelle? Ça ne t'empêche pas d'aller dans d'autres cuisines de temps en temps. Ce n'est pas parce qu'on a un bel arbre dans son jardin qu'il ne faut pas aller faire un tour en forêt, cher ami. Est-ce que ta mère s'occupe toujours de toi? Oui. C'est vrai? Oui, en fait, sa mère, elle appelait et tout, elle s'occupait vachement de lui. Ah non, mais elle est formidable, sa maman. Je la connais bien. On s'est connus, en fait, avec Gérald il y a longtemps, 15 ans à peu près, une quinzaine d'années. Ouais. Il commençait d'ailleurs avec les cyclones, vous avez commencé sur M6. Ouais, c'est ma mère qui m'appelle d'ailleurs. Allô, maman! Est-ce qu'ils t'ont donné à boire au moins? Est-ce qu'ils t'ont donné à manger? Je l'ai promis à Thierry que ce soir, il se réconciliait parce qu'il est fâché avec Édouard Baird depuis combien de temps? Depuis qu'il est venu dans Tout le monde en parle et que j'ai dit que son père avait bétonné les Halles, ouais. Tu fais Édouard Baird? Tu sais faire Édouard Baird? C'est ma dernière. C'est tout nouveau. Je pourrais être agent d'imitateur. Je comprenais pas parce qu'il me dit je vais te réconcilier avec Édouard Baird. J'ai saisi un truc chez lui et je commençais à le tester. C'était très bien, moi je trouve ça très bien. Fais voir. C'est quand ça, c'est comme ça. Merci. On te laisse. J'ai il est fort, moi. Effectivement. Voilà. J'ai constaté qu'il y avait quelques problèmes entre nous. Rien d'important, mais quand même. Fogiel, tu sais le faire? Non, plutôt. Deuxième réconciliation. On a fait Kofi Annan ce soir. Dans le spectacle, il y a un truc que j'ai essayé qui fonctionne bien quand je fais Marco. Et je sais pas si ça va me faire rigoler. Mais c'est. Vas-y, je préviens quand même. T'es pas sûr de passer à table. En fait, je fais bonjour, c'est Marc-Olivier Foderche. Bienvenue pour On ne peut pas plaire à Tout le monde en parle. Avec Guy Carlier et Laurent Baffy. J'ai fait un mélange des deux. Tu vois, je fais Marc-Olivier et Thierry, quoi. Ouais, je sais pas si je trouve ça drôle. Okay, dis-moi, c'est encore ma mère. Réponds-lui. Coupe le cordon. Non, c'est pas ma mère. Ils m'ont donné à boire et m'ont donné à manger. Non, c'est pas ma mère. C'est quelqu'un qui s'appelle Gérald. Qu'est-ce qu'il dit? Tu connais un autre Gérald de Palmas? Ah oui, on a des Gérald. D'accord, super. Ok. Bon, il faut que je fasse un sketch sur Nikos. C'est la solitude totale. Ouais. Les gens qui sont dans le quête. Quitte pas, attends. Tu me dis sincèrement si je le fais bien ou pas. Je me suis entraîné, d'accord? Vas-y. Ok, ouais. Tu m'entends, Gérald? Tu m'entends bien? Bon, attends, non, je te fais Nikos. Je veux avoir ton avis, c'est important pour le spectacle. Ok, tu quittes pas? Attends, parce qu'il faut que je me mette en condition, je me mets debout, quitte pas. Ouais, salut, comment ça va? Tapez 1, tapez 2, ouais, super, ce soir, magnifique, vous êtes tous magnifiques. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est pas mal? C'est pas mal, hein? Attends, je te fais. Attends, je te teste Thierry Ardisson. Tu quittes pas? À chaque fois, il faut que je me mette debout, c'est pour ça. Quitte pas. Ouais, ouais. Ah bah, à toi, Lolo. Ouais. Magnéto, Serge. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, quitte pas. Quitte pas. Qu'est-ce que tu dis? Il m'a piégé, moi, en Jacques Villeray. Ouais. Enfin, bien sûr, avant qu'il ne parte. Et en fait, c'est super dangereux parce qu'il ne se connaît pas les liens qu'il peut avoir entre les gens. Ouais, bien sûr, ouais. Et moi, Villeray, on ne s'était jamais rencontrés. C'est-à-dire, ça fait quand même 20 ans que je croise des gens dans ce métier. Mais Villeray, jamais. Et j'adorais cet homme-là. Et donc, il m'appelle, j'étais dans ma voiture. Et puis, évidemment, il me dit... Alors, tu peux mieux le faire que moi, évidemment. Je dis, allô, bonjour, c'est Jacques. Liane
pouvais vous appeler oui, parce bonsoir. Que je vous ai vu à la télévision. Au quatrième, s'il vous plaît. Je vous ai trouvé très bien. Et puis les mots, tu vois, à la télévision. C'est ça. À la télévision. Respiration. Il disait pas à la télé, les vrais. Jean, il me fait une ouais. déclaration fait une d'amour déclaration, au téléphone. Et moi, ouais. super gênée. Bah où je commence à lui dire non, mais moi je vous aime beaucoup, on pourrait se rencontrer, on pourrait prendre un thé, je ne sais plus quoi lui dire. Heureusement que tu lui dis et pas lui... rendez-vous à l'hôtel d'à côté. Oui. Et à un moment donné, il me dit ça vous intéresserait de faire du cinéma. Ah ouais, j'ai dit bah écoutez, mademoiselle Caroline. Tu vas bien ? Ça va ? Monsieur, bonsoir. Vous passez d'abord par la cuisine. Ça va en vrai, ça va bien. Quelle sœur. Ah oui, oui. Ça va bien et toi? Moi, je connais ta sœur, tu sais, je connais bien ta sœur. Ouais, bah voilà, la sœur est chantée. C'est que la radio. C'est ça, c'est... Non, mais il est énorme. Habituellement, je piégeais des gens du métier, des gens du spectacle. Et la radio m'a dit, tu devrais piéger un homme politique, ça serait vraiment marrant. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, les auditeurs, les spectateurs ont envie de savoir comment ils sont en vrai, quoi. Allô? Alors, je dis, bon, OK. Donc, je dis, mais sauf que j'ai pas les numéros de portable, j'ai rien. Donc, je dis, je vais aller au... Ouais, mon ministère, quoi. Je dis, ouais, je vais appeler les ministères, je vais passer par le standard. Mais vraiment, je croyais pas pouvoir y arriver. Champagne. Tu vois? Et je prends toute la liste du gouvernement. Et avec les numéros de chaque ministère, et je dis, je vais commencer par le plus dur. Enfin, j'appelle, et j'avais même pas de scénar dans la tête, rien. J'y vais au hasard. Je le fais par acquis de conscience, en me disant, ouais. On verra si ça marche. J'appelle, je prends la voix de Douste Blasi, même au dernier moment, j'ai dit, qui je vais faire? Bon, elle était à Douste. Ouais, t'imagines. Comme ça s'est passé. Ouais. Et je tombe sur la standardiste, et je dis, bonjour Philippe Douste Blasi. Elle me dit, bonjour monsieur le ministre, direct. Ouais. Je dis, j'aimerais parler à Jean-Pierre, s'il vous plaît. Elle me dit, vous voulez le Premier ministre? Je dis, c'est ça. Elle dit, ne quittez pas, je vous passe. Et là, mais elle a peur de se faire virer, moi je la comprends. Attends, mais c'est un truc de fou. Génial. C'est que. Dans le Douste. Ouais, et là, il y a le disque, le service du Premier ministre, ne quittez pas. Moi j'ai eu le cœur qui est parti à 200. Je suis dans la merde. Ouais, je me suis dit, quel bordel. J'ai l'énergie au cul. Alors, je me suis dit, alors quel scénar et tout, tu vois. Et direct, elle me dit, ça y est, vous l'avez en ligne, je vous mets en relation avec lui, c'est parti. Et il me dit allô. Et je dis bonjour, c'est Philippe. Je sais pas s'il se tutoie, rien. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé des combines. Tu vois, c'est-à-dire que je trouve des phrases où je n'utilise ni le tutoiement ni le vouvoiement, tu vois, au départ. Et j'attends que lui me dise comment tu vas ou quoi, et après, je le sais. Tout en gardant ton calme, tout en essayant de trouver la voix, tout. Alors, c'est vrai que j'ai flippé avant, par contre, dès que c'est parti, tu vois, je suis bien resté dans le personnage. Et il me dit d'abord. Félicitations pour Toulouse. Et je dis, je te remercie. Ah, j'adore. Tu vois, il dit, que c'est bien. Et il commence à me dire, il me dit, elle a vraiment tout perdu. Et je dis, je te le fais pas dire. Je sais pas de quoi il me parle. Tu vois. Et il me dit, non, parce que elle voulait être députée européenne. On savait pas comment se démerder de cette histoire. Elle nous a trouvé la solution toute trouvée. Ouais. Et je dis exactement. C'est exactement mais ça. Il peut insulter le mec, il peut attends, la traiter de attends, tous les noms. C'est ce qu'il fait. Il démarre et dit c'est vraiment une idiote entre nous. Hein. Il dit, je pense que c'est un euphémisme. Tu vois. Et, c'est terrible. Oui, oui. Et là, il me dit et le petit, il est content. Je sais pas qui c'est. Je dis très content. Il me dit, il a du boulot, hein. J'ai dit, tu m'étonnes. Il me dit, parce qu'il a quand même eu des pointures avant lui, tu vois. J'ai dit, t'imagines qu'il parle, c'est sur Toulouse, il parle de body. Je sais pas. T'en sais rien, tu vois. Attends, je sais pas. Je sais pas. Et je suis sur le fil du rasoir pendant une minute et je me dis, il faut que je l'embarque vite dans autre chose, sinon, au bout d'un moment, je vais me faire, démasquer. Et je dis, écoute, j'appelais, je savais toujours pas, il m'a pas tutoyé ni quoi. J'appelais parce que j'ai reçu des photographies. Où je suis en mauvaise compagnie. Oh non! Si, t'as fait ça? Oui! C'est génial! Et je ne sais pas qui me les a envoyés, je ne sais pas quoi faire.
Il me dit, ah bon, mais t'as reçu ça où? T'as reçu, donc chez qui suis-tu, toi? Paf. Et je dis, à mon domicile. T'es pas con, hein. Machin. Non. Ça, c'est du Caroline Diamant. Et il me dit, mais t'as reçu ça où? Alors, je dis, à mon domicile et tout. Il me dit, mais c'est des photos, je dis, c'est des photos nocturnes. Et je sais pas, ça a été pris à mon insu, évidemment. Et il me dit, c'est quelqu'un qui fait chanter. Alors, je dis, le mec direct, quoi. Je dis, c'est présenté comme ça, etc. Il me dit, c'est des photos qui ont été prises à Paris. Et je dis, à Boulogne. Et là, et je lui dis, dans le bois. Et là, il commence à faire, ah, hein. Le mec a que des emmerdes, tu sais. C'est ça. Et j'ai déjà eu ambiance, trois mois avant. Et voilà, et c'est ce que je lui dis. Ouais. Je tilte là-dessus. Je dis, tu vois, j'aimerais pas que, tu vois, que le gouvernement soit éclaboussé encore une fois par... Avec une et là, il dit pas, avec elle, pensée avant. Et là, il fait... T'as vu jusqu'où ça va, quand même. Et là, il me fait... Ah oui, oui, oui. Vite. Oui, très vite. Ça va très vite, très loin. Il change de ton tout de suite. Tout de suite. Et il me dit, écoute, il faut voir ça avec... Il dit, policier de Matignon, très aguerri à ce genre de dossier. Ah, ben on a le nom, c'est bon. Et on va essayer... De servir. On va essayer de trouver une solution, machin. Je dis, écoute, si ça va plus loin, je te présente ma démission. Oh là là. Là, il laisse un blanc. Il me dit, d'accord. On va réfléchir. ni oui ni non. Ouais. C'est énorme. Attends, il dit, on va réfléchir. Il me dit, on appelle aussi Michel Boyon, chef de cabinet. Ouais. Machin. Il me dit, écoute, là, je suis sur le point de faire une émission de télé. Le pauvre, tu l'as flippé. Attends, en plus. Il me dit, je te rappelle. Il me dit, je l'appelle sur sa ligne directe. Tu le rappelles tout de suite derrière. Tu dis, tu t'appelles Matignon, on peut pas tout de suite. Je dis, oui, j'ai compris. Et il me dit, et je te rappelle après. Je dis, d'accord. Il raccroche. Et en fait, il raccroche. Et moi, je me dis, merde, il faut que je le rappelle pour dire que c'est une blague. J'essaie de le rappeler. Trop tard. Il est parti sur 100 minutes pour convaincre. Oh putain, tu parles pour convaincre. Attends. C'est pratique. Quand tu sais que t'as un dossier en cours. Le mec se dit, putain. La chute après, de Raffarin, après, c'est toi, en fait. Après en biel, tout ce blasi, le mec se dit, putain. Un truc de fou. Ouais. Et alors, après, impossible de joindre. On a allumé la télé au studio. On voit Raffarin, effectivement, qui arrive de l'émission, Mazerolle et tout. Et il parle de plein de trucs. Et nous, on se dit, oh là là. Il va être stressé, machin. Et alors, à un moment donné, ils arrivent sur le dossier de la réforme de la sécurité sociale. Et il dit, alors donc, qu'est-ce que vous avez prévu, machin. Et il lui dit, on va faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Ouais, le mec. Et il dit, on, d'une manière assez impersonnelle, comme ça. Jamais il cite, s'il te plaît. Jamais il cite. Et effectivement, Mazerolle, à un moment donné, il dit... Mais quand on voulait dire « on », on voulait dire « Philippe Douste Blasi ». Et là, je te promets, on peut revoir la bande et tout. L'autre, il le regarde, enfin, il fait « oui ». Ah, c'est trop génial. Je dis « bon, je passe à un autre, j'appelle quelqu'un d'autre ». Et après ce canular de Raffarin... Oui, bonsoir. Maud Christen. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Je lui dis, je vais le rappeler, et je l'appelle, et je lui dis « cette fois, je vous appelle parce que j'ai un petit problème. Je suis sur le point de perdre ma couverture sociale. » Il fait un merde. Donc, je dis, bon... Il dit, écoutez, c'est moi qui m'occupe de ça en ce moment. Machin et tout. Il me dit, je vous promets, il est hors de question que vous perdiez, que quelqu'un comme vous perde sa couverture sociale. Je vais m'en occuper. Oui. J'aime beaucoup qui vous êtes, tout ça, machin. Je dis, je voudrais pas que ce soit un passe-droit et tout. Il dit, personne ne le saura. Parce qu'il n'y a pas de souci, s'il y a un mec avec qui je suis copain a un problème, je l'aide. Bravo de ce donc super intègre, oui, tu vois. Et par contre, il m'a dit, comment vous saviez que je connaissais Jacques Villeray? J'ai dit, pas parce que c'est depuis 6 mois, c'est moi. Et il me dit, fou. Ah bah c'est moi qui arrive. Bravo. Je peux faire un livre. Hein. Bonsoir. On va passer à table, parce que on va être... Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle. Monsieur. Qu'est-ce que j'ai ri, Jean-Pierre? C'est beau ici. Laurent. Oui. Moi, je ne sais pas comment il va vous installer. Pourquoi il n'est pas dans... On a tout essayé. C'est beau. Ce soir, ça m'a donné l'idée. Il faut que je propose à Catherine. Il faut qu'on le fasse. Attends. Est-ce qu'on a fait filmer? Ça peut marcher tout à fait. On a tout essayé, mais il devrait y être tous les jours. Attends, c'est formidable. On est là pour la rentrée. Oui, bien sûr. Je vais militer pour toi. Moi, je trouve ça très drôle. Ah ouais. Vraiment, plus que drôle, d'ailleurs. Oh là là. Bon, attention alors. Ah, voilà, Liane Folie, Monsieur Manouk. Merde, c'est la même place que la dernière. Maud. Je vais encore voir des conneries. Gérald là-bas. Voilà. Ben voilà, tout le monde est en place. C'est super.
Écoute, je suis vraiment content que tu sois là, parce que d'abord, ce que tu as fait avec elle au départ, j'ai toujours trouvé ça absolument génial. Pourtant, il ne nous voyait pas. Je l'ai. J'ai accueilli Liane dans Bain de minuit, dans Lunettes à l'époque, parce que j'adorais vraiment ça. Après, je lui ai un petit peu reproché de t'avoir quitté. Je ne parle pas sur le plan sentimental. Ça m'a vachement touché, je te jure. Professionnel. Non, tu le sais que j'ai beaucoup reproché. À l'époque, personne n'osait lui dire. Et moi, j'ai été parmi ceux qui lui ont dit. Et là, j'ai vu que vous avez retravaillé ensemble. Mm-hmm. Bon, voilà. Donc, je suis rasséneré. Je peux... Ça y est. Voilà. Ouais, la merci, bouteille vous plaît, je suis content. Merci, t'es un vrai tonton pour nous. À Monsieur Manoukian. T'es un vrai tonton. Et qu'est-ce que t'as fait avec Jane Jackson? Je t'ai suivi parce que t'es ému. Jane Jackson, c'était génial. Un jour de Burtel, il m'appelle, il me dit « Tu pars à Los Angeles demain matin ?» Je lui dis « Mais pourquoi faire ? Il y a un coach, il m'a laissé tomber et tout. Il faut que tu surveilles l'accent de Janet Jackson pour une chanson en français. » Je lui dis « Bon, ben... » Il me dit « Je t'envoie le texte et la chanson par coursier tout de suite. » Genre, la ligne de la chanson de Janet en anglais, elle fait 3 pieds. Et le texte, ça devait être un serveur français de Los Angeles qui avait fait la traduction. Ça faisait genre 12 pieds. Je l'appelle, je lui dis, ça va pas, la traduction, c'est n'importe quoi. Je pars pas. Quoi, c'est pas possible, tu peux pas faire ça et tout. Je lui dis, mais démerde-toi. Putain, alors j'appelle des auteurs, on refait le truc et je pars le soir. J'arrive là-bas et elle arrive avec René. Son mec, il s'appelait René à l'époque. Elle aussi comme l'autre, ouais, c'est ça. Oh, dis donc. C'est le même année. Et son mec, il arrive, il dit bonjour à tout le monde, sauf à moi. Et moi, il me regarde en faisant la gueule. Et moi, je fais, merde, ça commence mal le truc. Et il se casse au fond de la pièce comme ça. Et elle le voit. Et genre, il y a un malaise, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, on va commencer. Et lui, il fait, bon, allez, il vient vers moi, il me fait, bon, allez, on va la faire, cette interview. Parce que comme il m'avait vu avec un petit dictaphone, il croyait que j'étais un journaliste qui était venu s'incruster. Et elle lui fait, mais c'est pas un journaliste, it's André, he comes from Paris. Moi, je dis, oh, putain. Et genre, il m'embrasse, il fait, ouf, ça y est, deuxième truc. Je m'assois sur le canapé, et là, je lui donne le texte. Elle regarde, elle fait, ah non, pas question. Je lui dis, mais comment on fait? Elle me dit, phonétiques. Première phrase. J'ai entendu des amis dire que tu es revenu. Putain, il n'y a pas plus de R et de machin. Et de U partout, à l'attaque. J'ai entendu. Non, j'ai entendu. J'ai entendu. Et elle écrit. Des amis. Des amis. Des amis. Des amis dire que tu es revenu. Et là, elle fait. Dia. Que tu es revenu. On aurait dit l'accent chinois. Elle voulait tellement faire les R et tout, quoi, tu vois. Elle a transpiré pendant 5 heures, phrase par phrase, mot à mot. Elle allait, elle revenait et tout. Et là, tu dis, attends, la nana, elle était juste numéro 1 partout. Il y avait juste la France où elle n'était pas numéro 1. Donc, le manager, il appelait tous les jours. L'autre, il ne savait plus comment faire en disant, écoute, on va essayer de faire une version française et tout, quoi, tu vois. Mais là, tu vois les ricains qui sont partout et qui transpirent et qui sont là à s'appliquer. Tout à la grande leçon, quoi, tu vois. Et à la fin, elle me dit, André, are the French gonna laugh when they will hear me? Et je dis, non. I'm did you promise? Je lui dis. Et là, je suis rentré, j'ai un pote de Virgin qui me dit putain, c'était toi, c'était le plus beau fou rire de ma vie pendant 2 ans et tout. Et je crois que la chanson, elle a juste marché aux Antilles. Les Antilles. Ah. J'écoutais que les artistes français. Tu t'occupais de qui? Tata Nouille. Ah non, c'est comme ça que vous êtes connue? Mais bien sûr. En fait. Donc à l'époque où je l'invitais dans Bain de minuit, dans Lunettes, c'était toi? Bien sûr. On a fait. Quand on est arrivé chez Virgin, donc c'est Fabrice Nataf à l'époque qui nous a signé. En pensant que tu étais une autre folie, tout le monde. Exactement, tout le monde connaît l'histoire. Je crois que c'est la fille de Libé. Donc Caroline, donc on s'est connus tout de suite. Ah oui. Et on a travaillé ensemble pendant de très nombreuses années, pendant de 87 à 97. Mais c'était vraiment top class ces deux premiers albums là. C'était vraiment. Dis que j'ai fait de la merde après, j'ai sorti ça sympa. Non, mais non. T'as fait 10 albums dans ta vie, les deux premiers étaient très sympas. Tu vas pas nous faire la soirée, Christine, bravo. Ne nous fais pas la soirée, Christine. Je t'en supplie. Non, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai vu arriver ça, j'étais sur le cul. Toi, t'avais Hamster, c'est ça, t'avais un groupe, toi. Oui, un super groupe de jazz. Et en fait, ils cherchaient une chanteuse. Et c'est comme ça quand on s'est rencontrés. J'avais la chanteuse de balle. Mais j'avais des embrouilles parce que chaque fois que j'avais une chanteuse, je tombe amoureux d'elle jusqu'à ce que je tombe sur ma main. Non, mais ça, c'est normal. Jusqu'à après. Non, j'avais d'abord trouvé une bonne chanteuse et puis là, j'avais fait une faute de car avec dérapage incontrôlé, donc obligé de changer de chanteuse. Et puis en cherchant des chanteuses, je suis tombé sur elle et elle. Je me suis tellement rentré dans la poudreuse que j'ai dit là, j'y reste. Et donc, c'est comme c'est ça. C'est pas pudeur si tu dis pas le prénom, j'ai l'impression. C'est pas. Il non, c'est parti, si tu veux. Quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'il cherchait une chanteuse de jazz. En fait, je pense, le pire cauchemar d'André. Au départ,
on n'avait rien pour se rencontrer, André et moi. On était de deux univers différents, qu'ils soient culturels, qu'ils soient... on n'avait rien jazz, pour gauchiste. Se rencontrer. Ouais, et toi, tu étais mal populaire. Moi, j'étais dans les balles. Ouais. Moi, j'étais... On n'avait rien pour se rencontrer. Ah si, vous avez un truc en commun. Vous avez un truc en commun. C'est que vous êtes tous les deux des émigrés. D'abord, des racinés, ouais. Enfin, on n'avait rien au départ. Musique, quand même. Voilà, on n'avait rien pour se rencontrer. Moi, en fait, d'un côté, je me disais, parce qu'à l'époque, c'était le Quincy Jones lyonnais, hein. Et puis, on s'est rencontrés complètement par hasard, puisqu'il a eu mes coordonnées par un musicien dans un magasin de musique. Bon, bref, il est venu me voir à un bal. Ce jour-là, j'avais la jambe dans le plâtre. Comme toi, tu te dis parfois, j'aime mieux me casser une jambe. Bah, c'était fait. Et tu vois, on s'est rencontrés, j'avais quand même la jambe dans le plâtre, etc. On s'est donné rendez-vous dans un studio à Lyon. Attends, d'abord, le mec, il me dit dans le magasin de musique... il me dit ça va ton groupe, je dis je galère, cherche une chanteuse. Il me dit moi j'en ai deux, une black et une blanche. J'entends la black, je fais waouh, ça m'intéresse et tout. Donc il y en a deux, donc peut-être j'y vais et tout. Il me donne le téléphone, Eliane Faliex, j'écris ça sur une doc de synthé. Eliane Faliex. Eliane Faliex. Je rentre chez moi et je perds la doc du synthé. Rien à foutre. Et trois mois se passent. Trois mois plus tard, dans mes papiers, je trouve la doc du synthé. Je fais putain, il est génial ce synthé, il faut vraiment que je me l'achète. Et donc je lis tout. Et je vais pour le mettre à la poubelle. Et je le retourne et je vois un numéro de téléphone avec Eliane Faliex. Je dis, mais c'est quoi ça déjà? Ah c'est ouais, la chanteuse et franchement, quoi, ça tient. Rigolé, je prends le téléphone et je fais pipi. C'est souvent comme ça. Je tombe sur sa voix et je dis, tiens, je me suis planté, mais je dis, elle a quel âge? C'est une vieille, j'en ai au moins 40 balais à l'époque et tout. Parce que maintenant, excusez-moi, mais je veux dire. Ouais, j'avais une voix très grave, j'avais une voix très grave. Dans les 20 ans, elle avait une voix tellement grave qu'elle ne faisait pas du tout la voix de son âge. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on va te chanter depuis l'âge de 7 ans. Voilà, elle me dit « chante dans un cacheton ». Je fais « putain, bon, bah, quand ?» C'est le plus près de Lyon, Nîmes. Et nous, on est à Lyon. Je dis « dans combien de temps ?» Dans 3 semaines, un dimanche. Et je dis « ouais, ouais ». En me disant « ouais, ouais, genre ». Et là, Liane, tu chantais dans un groupe ? Un orchestre de bal. Orchestre de bal. Tony Brahms. Que je connais, ouais. Elle partait avec la camionnette. Avec ses parents, ils dormaient dans la camionnette et tout. Ça, quand j'étais jeune, oui. Ouais, ah, c'est bien l'histoire. Ouais. Et le dimanche arrive et je dis putain, mais qu'est-ce que je vais aller faire 500 bornes aller-retour pour écouter une nana, si je trouve, elle chante comme un pied. J'y vais, tu sais pourquoi? Parce que j'avais une Lada Break pourrie qui démarrait une fois sur quatre. Et je me suis dit, elle démarrait jamais du premier coup. Et je m'assois et je me dis, si elle démarre du premier coup, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Et je suis sûr qu'elle n'a pas démarré du premier coup. Putain, la caisse, elle fait vam. Et là, je dis merde, je suis obligé d'y aller. J'arrive, et moi j'attends, surtout, je te le cache pas, la chanteuse black. La chanteuse black, elle arrive, une plastique, Salon pas possible. Elle prend le micro, et là, elle est black, elle a une voix de blanche. Genre, quelle horreur. Mais genre une voix, tu sais, un peu fine, un peu... Et là, je fais, oh bah merde. Arrive la petite chanteuse blanche avec le pied dans le plâtre, elle devait faire 25 kilos, toute mouillée, avec les, béquilles. Elle prend la voix, elle chantait une chanson d'Irène Cara. Ouais, putain, tout d'un coup, la lave, quoi, tu vois. Tu chantais quoi? Irène Cara, tu vois, genre les gros trucs. Ouais, c'était cette chanson. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est et vrai. Voilà. Et voilà. Bon, ce que je voulais dire au départ, c'est qu'on n'avait rien. C'est un hasard. Ça va, on vous dérange pas, les deux? Pardon. Non, mais non. Désolé, on disait des bêtises. Tu disais quoi? Je disais juste que Caroline, la dernière fois, elle a vécu la même chose qu'André, c'est qu'elle a rencontré un black qui avait une bite de blanc. Ce qu'on avait à faire à l'époque avec André, et Dieu sait si nos situations, enfin la mienne était plus claire que la sienne, mais genre ce qu'on avait à faire était tellement important qu'on était obligé finalement de passer par cette case de partager notre vie. Mais après, comment ça s'est arrêté? Le jour où on a signé, le jour où il y a eu le succès, tout d'un coup, on n'était plus deux, mais on était trois. Ah, tu veux dire le succès et vous? Non, c'est-à-dire le public. Ma meuf, l'artiste et moi. Tu vois, tout d'un coup, ça devient presque un espèce de couple à trois. Et là, tu te rends compte qu'il y a... Je pense, hein, je ne veux pas m'avancer, mais chez tous les artistes, il y a cette relation d'une espèce de... Un artiste, il est double, quoi, tu vois. Et il vit en couple avec lui-même. Ouais. Tu vois ce que... et quand toi, tu es à côté... Faut que tu es avec l'autre aussi. Attends, je vais donner ma version. Je crois pas à ça, moi. Sa version. En tous les cas, je suis ravi que vous rebossiez ensemble. Voilà. Bon, ben, alors maintenant, ta version de la fin. Pourquoi et comment ça s'est arrivé? Moi, je le sais.
forcément, ouais. Puisque c'est moi qui ai déclenché cette attends, fin. Attends. C'est toi d'abord. Attends. C'est toi qui as arrêté. Ah oui, c'est moi qui suis parti. Oui, oui. Donc, le succès arrive. Avec le succès arrive le pognon. C'est pas le succès. On a galéré tout ça. Tout d'un coup, on se retrouve. On peut se... ça y est, on a tout. On vient de refaire un deal et tout. Et on s'achète une maison. Ouais. Et moi, je suis dans la, mais genre, la maison, c'est un château, quoi, tu vois, à 60 bandes de Paris, à côté de Rambouillet, à Bigny. On s'achète une très belle maison, c'est un château. Et moi, on s'achetait un très beau château. Ouais, ouais. Et moi, on s'achète une maison. Non, on achetait un petit matin. Non, c'était. Et ouais. Tout d'un coup, donc c'est le rêve de toute l'histoire. Ouais, c'est un rêve de pauvre. C'est un rêve de pauvre. Mais tous les Français, le Laurent. Et au dernier étage. J'ai acheté une maison tous les deux avec Lolo. Et au dernier étage, j'ai le studio, quoi, tu vois. Donc, et moi, je suis dans le. Dans le jardin, et je regarde ça, et en bon arménien, je me dis, putain, ces trois étages-là... Ça va être dur à chauffer. Je suis sûr que... je me dis, je suis sûr qu'il y a trois étages d'emmerde qui m'attendent. Mais quoi, tu sais, genre, mais quand, quand il t'arrive quelque chose de bien, tu fais gaffe, il y a quelque chose de mal qui va t'arriver. Ces gens. Toujours peur qu'il y ait la chkoumoune derrière. Et genre, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Putain, trois mois plus tard, elle arrive, elle dit, je me casse. Je dis, ah, ça y est, je l'avais vu. Trois étages, trois mois. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire quelque chose que, très sincère. C'est que d'abord, j'ai été très heureuse avec André. Que c'est un compagnon... Quand on voit la taille de son nez, en plus. Oui, ça laisse rêveuse. Mais non, j'ai été très heureuse avec André, mais qu'il... malheureusement, on était beaucoup plus jeunes. Je pense qu'il n'a pas eu la force et la maturité en même temps d'être le meilleur compositeur qu'il a pu être et le meilleur compagnon. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé qu'André me demande en mariage. Et il ne m'a jamais demandé. Oh, le truc de... C'était connu, moi je l'avais connu très jeune, j'avais 22 ans. André, t'as merdé, hein, c'est grave. Il avait une première fille d'un premier mariage dont je me suis occupée pendant très longtemps, qui s'appelle Julie, qui est magnifique aujourd'hui, qui a 24 ans. Et je veux dire, et pas pour rentrer dans trop de détails. C'est le syndrome du mec divorcé qui, tout de suite après son divorce, celle qui vient. 10 ans après son divorce, chérie. Bah, dur. Ouais, quand même, On sent la bonne copine. Non, ouais, simplement ce que je voulais dire. Tu ne fais pas un enfant tout de suite. Tout de suite après. Voilà, alors peut-être que. Non, mais le mec veut en profiter, fais pas un enfant tout de suite. Il le sait en plus, il sait que j'aurais adoré. Eh ben, je pensais un jour m'appeler Eliane Manoukian, tu parles beaucoup, tout le monde est content. Et puis avoir un enfant aussi, parce que c'était. Un petit peu parce que j'avais l'âge, parce que je vivais un truc et qu'on avait réussi. Pour moi, c'était une grande, une énorme fierté, bien tous les deux, d'avoir réussi quelque chose ensemble qu'on avait créé tout seul. Et je me disais, la seule chose qui manque maintenant, bah, c'est ce couronnement de notre vie privée, qui n'est jamais arrivé. Augustin ? Ça va ? Elle nous a raconté de ces trucs, parce qu'à un moment, je lui ai dit, mais comment tu as pu quitter André? Comment tu as pu quitter Laurent? Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Augustin? Et là, elle nous a raconté, voilà, bah, c'est vrai, t'es... voilà, quoi, il n'y a rien à dire. Voilà. Respect. Non, vraiment, elle a tout raconté, elle a dit... Elle a tout raconté. T'es une bête, mon gars, t'es une bête! Ce que je trouve extraordinaire, c'est une super voyante, elle était dans une centrale d'achat, elle s'occupait du développement, comme quoi... Ah, c'est bon. C'est comme quoi les gens... Heureusement qu'on échappe à son destin. Hein. C'est vrai, non, Maud? Oui, j'étais cadre publicitaire, il y a bien longtemps, dans un groupe qui était le groupe Gilbert Gross. Ah oui, Gilbert Gross, ah bah oui, Cara et tout ça, ouais. Et comment vous avez senti... jamais pensé être voyante. Et comment vous avez senti que vous avez un don de voyante? C'est pas une vocation. Bah écoutez, c'est une... tout à fait par hasard. J'étais en train d'écrire un livre qui intéressait un éditeur, ce qui est très rare quand on a 23 ans. Ouais. C'était un gros éditeur et je ne pouvais pas continuer à travailler parce que mon travail me demandait beaucoup d'énergie. Et une amie merveilleuse m'avait dit, bah, écoute, moi je te prends à la maison 15 jours par mois, elle habitait Aix-en-Provence, mais le reste du temps, il faut que tu te démerdes. Me démerder, certes, mais que faire? Ouais. Et cette amie me dit, tu vas faire la voyante extra-lucide. Non, mais ça va pas, non. Puis c'est pas possible. Ça a commencé comme ça. C'est honteux. Il faut que tu me trouves un pseudonyme. Et sur le champ, elle s'exécute. Elle me dit, Maud Christine, ça te va? C'est pas votre vrai nom, Maud Christine. Non. Je l'écoute pour 6 mois, c'est ça ira. Ginette. Hein. Non, pas du tout. C'est quoi le vrai? Le vrai? C'est Bérangère. Oh, oh, c'est bon, Bérangère. Comme je connais très bien Maud et que... on a eu l'occasion de faire souvent, enfin que j'ai souvent demandé, qu'elle m'a souvent fait la voyance, justement. Ce qui est très impressionnant, ce qui m'a toujours très impressionné
c'est que elle rentre dans une espèce de transe, et ça c'est très impressionnant, parce que Maud, elle rentre dans une espèce de transe où la voyance devient quelque chose comme un film. C'est pour ça que tu parlais aussi des films que tu visualises comme ça. Et moi, plusieurs fois, je suis restée, je me dis, mais c'est ça, quoi. Puis elle te fait le personnage en face de toi, que ce soit un homme ou une femme, avec ses travers, ses défauts, ou la façon de parler, ou un tic dans le langage, ou un truc. Un peu comme vous. Un peu comme une intuition, voilà. Une intuition. Il y a quelque chose en la voix. Ah, voilà, pourrait peut-être. Tu vois, regarde déjà. Moi, j'ai vu Maud il y a 2 ans. Elle m'a prédit que mes parents allaient tomber malades tous les deux, qu'ils allaient avoir un cancer, puisqu'ils ont eu un cancer l'année dernière, tous les deux en même temps. Et elle me l'a prédit. Moi, dans ma famille, je suis celui qui communique avec les morts. Tu vois, j'étais vendredi saint, il y a quelques jours, j'étais en Grèce pour les fêtes orthodoxes de Pâques. Et le vendredi saint, quand on va tous au cimetière de nos ancêtres, je suis celui qui a les clés, qui communique avec les morts. Mais c'est ma grand-mère qui m'a donné les codes, quoi, les clés. C'est pas vrai. Intuitivement. Moi, mon arrière-grand-mère communiquait avec les morts. Lorsque ma grand-mère m'en parle, c'est assez impressionnant parce qu'elle lui... Elle donnait vraiment des choses très très précises qui sont arrivées. Donc, moi, je les vois en rêve. Je les vois en rêve, les morts. Toi, tu les vois en rêve et ils te parlent. Comment vous les voyez ? Il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc comme ça. Comment ça se passe ? Comme des présences bienveillantes, pas comme comme la chair ou quelque chose d'humain. C'est une présence bienveillante. Ça, c'est des voix, c'est des phrases, c'est des mots. C'est carrément parfums. Moi, il m'est arrivé un truc récemment. J'ai vraiment vu mon grand-père qui est décédé il y a longtemps en plus. M'apparaître alors dans les rideaux. Ouais. Mais tu sais, comme quand tu lis dans les nuages, tu sais. Et au début, je me suis dit, c'est mon imagination. Et vraiment, quoi, ça m'est arrivé 2-3 fois, j'en parlais pas. Et puis, comme c'était vraiment répétitif, j'ai demandé à ma mère si. À qui tu veux qu'il demande J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai encore un truc dans le rideau, je vois un truc. Je viens de faire poser des rideaux parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu mon père. Un soir, j'avais une maison à Sèvres où ça n'allait pas très très bien. J'y suis allée dans cette maison. Oui, c'était très belle maison. Et au niveau artistique, tout ça, avec ma maison de 10, ça ne se passait pas bien du tout à cette époque-là. Déjà, il y avait maison aussi. Déjà. Et puis... On m'avait proposé de faire un best-of et c'était il y a assez longtemps, c'était en 97 et à cette époque-là, je trouvais que c'était un petit peu tôt de faire un best-of. Je me dis ce qu'ils sont en train de me dire, c'est bon, etc. Et j'ai tourné dans la maison et j'étais très 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 malheureuse parce que j'avais pas trop de solutions. Et j'ai réfléchi et je me suis couchée très tard. Et j'ai demandé de l'aide, enfin j'ai demandé comme une aide, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire, mais mon Dieu, mais... Et là, j'ai eu l'image de Daniel Balavoine dans mon esprit, mais très clair, c'était pas comme un nuage sur une poutre ou sur rien. C'est marrant parce que juste avant que tu le dises, je pensais que c'était ça. Parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'avais rencontré. Et à ce moment-là, je l'entendais me dire... Tu dois reprendre une chanson de mon répertoire. Et tout d'un coup, je me dis, s'il y en a une seule qu'il faut que je reprenne, c'est La vie ne m'apprend rien, parce que j'adorais cette chanson. Mais qui était une chanson en même temps, c'était assez avant-gardiste. En 78, elle était sortie. Elle n'avait rien vendu du tout. Ça n'avait pas marché. Et donc... Mais toi, elle t'avait plu déjà à l'époque. Non, mais le flash tout d'un coup, et là, je l'entends qui me dit, reprends La vie ne m'apprend rien. Mais je m'en rappelle, j'en ai des frissons quand je vous en parle. Aussi, c'est pire qu'une intuition. C'est l'auto-voyance. Je sais pas ce que c'est. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher. Prendre un chemin ensemble. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques
quelques hommes font la loi. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien. Des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'efface tes fautes au fur et à mesure. C'est pas de la grande écriture, juste un peu de lecture, quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure. Et si le facteur assure, avec deux fois rien, on peut aller plus loin, on sera là demain. Me désenvelopper, me décacheter et me déshabiller au fur et à mesure, au fur et à mesure. Maud. Je vous dis pas où sont les toilettes, vous l'avez deviné, évidemment. En tant que voyante. Someday he'll come along. Ouais, c'est the man I love. And he'll be big and strong. The man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we're both. Casser la voix, ça se dit comment en grec? Yannasello. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon homme. Avant d'avoir eu vent de vous, mon homme. De vous déplaise en dansant la chevenue. Et je sais plus comment ça veut. Et là, ça brille en vain de vous. Et là, ça brille en vain de vous, mon amour. Oui, petit gars. D'avoir eu vent de vous, parce que je ne me rappelle plus des paroles. C'est pas grave. L'amour. Nous
Parce que je sais qu'il fait très bien Catherine Froid, il fait très bien Jean-Pierre Attends, je Bacry. Viens de... Je sais pas si je le fais très bien. Tu vas voir. Je sais pas si je la fais très bien, mais enfin, je vais essayer quand même. Non, parce que... Alors, c'est, toi, c'est Bacry, c'est ça? C'est comme tu veux. C'est ça... Ça m'énerve parce que... J'ai pas le... Non mais attends Jean-Pierre, moi je suis gênée, j'ai plus de champagne. Je sais même plus ce que je vais leur proposer. Parce que tu sais, je suis un petit peu gênée. On fait un cadeau tout à l'heure, c'est un truc pour les chiens là, tu vois ce que c'est ce truc là? Qu'est-ce que je dois en faire? Je le mets autour du cou, je le mets où? Tu fais ce que tu veux. Eh ben on n'est pas dans la merde, hein. Pierrot, bah écoute, dîner pour dîner, on s'est bien fait chier ce soir. Est-ce que t'as un petit truc qu'on pourrait sortir un peu, faire le tintouin là, alors qu'il est? Ben dis donc, hein? Comment on va faire maintenant, hein? Parce que tout est fermé, là, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Il est 6h30, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Non mais... C'est vachement gênant. C'est... Cette situation comme ça. En plus, pour ne rien te cacher. Hein. Au départ, j'étais pas chaud. Et puis, bon an, mal an, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit. Pourquoi pas? Bonsoir à tous! Bonsoir à mon cousin! C'est ma cousine. Non mais arrête! Non mais dis-leur un peu! Mais je peux pas leur dire, c'est toi qui leur dis, c'est pas moi! Mais c'est pas mon cousin! C'est pas mon cousin! Parce que de temps en temps, il me dit comme tu veux, quand même! Non mais c'est pas mon cousin! Voilà, on vous a dit de venir! C'est fort le dîner! Parce que moi je voulais rencontrer tous les gens qui sont là! Je voulais rentrer à la Starling de ville! Je voulais leur dire une chose! Tu peux te proposer, monsieur est là! Il peut oui! On peut en parler! Mikos! Mikos! Comment tu as dit? Monsieur Mikos! Mikos! Monsieur! Question pour un champignon! Monsieur Mikos! L'animateur qui démange! Je vais vous poser une question. À votre avis, Fanny, est-ce que c'est l'imitation qui donne aux autres le reflet de soi-même, ou n'est-ce pas plutôt... C'est ça qui est totalement hallucinant. Le reflet de soi-même par rapport aux autres qui donne une imitation. Écoutez, Fabrice, je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Je ne comprends pas très bien, car moi-même, je n'imite personne. Et j'imite très très mal, en tout cas. Mais je voulais vous dire que j'étais très très heureuse de vous rencontrer. Et je rêve de tourner avec vous aussi. Bien sûr, mais moi aussi, c'est ça qui est énorme. Ouais. Ah non, non, non. Ah non, c'est gentil, mais faut pas exagérer. Alors, Dédé la meringue, c'est quoi de tes nouvelles? Je ne fais pas si bien que ça. C'est les étymzites. Non mais moi, les imitateurs, j'adore ça. C'est ce que je préfère avec les vendeurs de merguez. Bonsoir, mesdames, messieurs. Non, s'il vous plaît, on est bien, on est calme. Donc, c'est un petit pépère. C'est un petit pépère, lui. Avec le monsieur qui tourne, applaudissements, mesdames, messieurs, pour le monsieur qui tourne. Non, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, appuyez plus fort que ça, mesdames, messieurs. Ah. Thierry, t'aimes bien la blouse. Ah! I'm on the blues.
I got the blues in my soul. I got the blues on the reality show. Fogiel, tu... refais-le-moi. Je vous demandais si gentiment. Sois gentil. Bonjour. Alors, aujourd'hui, dans On ne peut pas plaire à tout le monde en parle, avec Guy Carlier et également Laurent Baffy. Moi, je sais plus si c'est vraiment un jeu ou à tes souhaits. Ouais. Ou si c'est vraiment... Mais t'as vu dans quel état tu le mets? Non, pas du tout. Ah, c'est pas le rhume des foins, c'est Fogiel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.